Même les incrédules. Même incredible people. Croiront. They will believe. Que Jésus-Christ est ici. That Jesus exists. Que Jésus-Christ est dans ce réveil. That Jesus is in this revival. Même les incrédules. Even the incredible. Parce que les saints. The holiness. Ils n'ont plus problème de foi. The saints don't have problem of faith. Maintenant. But le Seigneur veut amener. The Lord want to let. Ceux qui ne croient jamais. Unbelievers. Il veut les amener à croire. He want them to believe. Alléluia. Amen. Tel que le Seigneur nous conduit. As the Lord is leading us. Tel que le Seigneur conduit son peuple. As the Lord is leading his people. Dans ce moment. In this moment. Que lui-même. Even himself. A ordonné. He order. A inspiré. Inspire. Et il tient la route. And he leading the way. Avec nous. With us. Je vous dis. I'm telling you. Le Seigneur s'est révélé à trop de personnes. Lord revealed to many people. Le Seigneur s'est révélé à trop de personnes. Lord revealed himself to des many gens people. Qui ont perdu même il y a longtemps leur temps they that lost their de révélation. They that lost their des gens qui ne font même plus de rêves. They that no more dreaming. Le Seigneur a réveillé tous ceux-là. The Lord awake all these people. Et leur a montré de grands choses. And he showed them greater things. Et lors des interventions des serviteurs. One among the intervention of the man of God. Le Seigneur par la bouche de son serviteur Dr. Silas. The Lord by the mouth of his servant Dr. Silas. A déjà annoncé. He announced. Que certains some vont expérimenter. Will experience. L'extase. The lifting. C'est-à-dire it certains parmi nous. Some of us. Quand on parle de visiter le ciel, if we talk about visiting, que certains of vont of l'expérimenter heaven, some people will go through it. Pour venir informer les autres. And they will come and inform others. Pour venir nous informer. They will come and inform us. Effectivement, le Seigneur l'a fait. Effectively, Lord have done it. Le Seigneur l'a fait. The Lord did it. Pour montrer qu'on n'est pas ici. To show that we are not only here. Pour s'amuser. To play. On n'est pas en train de s'amuser we ici. We are not playing here. On est dans du sérieux. We are in serious. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur. So, the Lord. S'est révélé. Bon, j'ai déjà dit plusieurs. I said it many times. Mais dans les messages. In the message. Il y a un. It's one. Qui est vraiment puissant. Which is very powerful. Qui nous replonge that is leading us dans les réalités to the reality de l'Apocalypse. Of the revelation. Et quand tu seras en train d'écouter, as you are hearing it, c'est comme si tu es en train de lire le livre d'Apocalypse. As if you are reading the book of Revelation. Le Seigneur a mené the Lord sent une jeune sœur a young sister pour lui montrer to show her des choses incroyables. Unbelievable things. Mais la vision, the vision. Le Seigneur a mis pause. The Lord put full stop. Dans la vision, il a mis pause. He put full stop in the vision. Il a dit il y a une suite. He said there is a continuing of it. Et que avant d'avoir la suite, before you receive the continuing of it, il faut qu'on rentre dans les 10 jours. We must enter into 10 days. Donc c'est lui qui a ordonné. So he has said les 10 jours. The 10 days. On ne peut pas parler de chambre haute. We can't talk about the high sans faire les 10 jours. Without doing 10 days. Donc c'est une première étape. This is the first stage. Des choses que le Seigneur the Lord lui a révélées. Revealed to her. Qu'elle viendra partager. She will come and share it avec nous. With us. Avant de l'inviter, nous before allons we invite her, demander au chant de nous let donner us the singers to give une belle cantique du ciel. A very song that comes from heaven. Sur les pages brillantes d'un grand livre que je ne saurais décrire. Je vais inviter I will invite ma fille Dorcas, my sister Dorcas à venir. De ce livre est son nom, il s'appelle le livre de vie. Mon nom est écrit, mon nom est
inscrit sur les pages. On va se tenir tout debout. Let's be on our feet. Pour entonner, pour prendre ce cantique. Je saurais décrire, mais tout ce que je connais de ce livre est son nom. Il s'appelle le livre de vie. Oui, au ciel, au ciel, au ciel, mon nom est inscrit au ciel. Après mon pèlerinage sur cette terre, Seigneur, dans cette atmosphère, tu ouvres encore le ciel sur ton peuple pour répandre encore. Seigneur, répands encore. Seigneur, répands encore ton onction sur ton peuple et ouvre les yeux de ton peuple. Seigneur, ouvre encore les yeux de ton peuple. Seigneur, ouvre encore les yeux de ton peuple pour leur montrer les choses incroyables, les belles choses que tu as préparées pour ton église, les belles choses que tu as préparées pour ton peuple. Seigneur, ouvre encore les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de petits et grands, de vie et vieillards. Seigneur, ouvre. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. 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 Derrière les nuées, du Père des esprits, lorsque cet immeuble. Lorsque cet immeuble, Seigneur, nous voulons vivre comme si nous étions déjà au ciel. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Seigneur Jésus, nous voulons être proches de toi. Seigneur, rapproche-nous de toi. Seigneur, fais monter ton peuple vers toi. Seigneur, fais monter ton peuple vers toi. Seigneur Jésus, fais monter ton peuple vers toi. Au ciel. Mon nom est inscrit au ciel. Oh, après mon pèlerinage sur cette terre, je m'emmènerai pour le pays au ciel. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel. Mon nom est inscrit au ciel. Après mon pèlerinage sur cette terre, je m'envolerai pour, oui, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel. Mon nom est inscrit au ciel. Après mon pèlerinage sur cette terre, je m'en vais pour le ciel. Seigneur, Lord, voici ta fille. This is your daughter. Papa, Father, c'est toi qui l'as amenée vers you toi that sent her to you pour lui révéler les choses cachées. The hidden things, les choses que tu nous prépares. The things that you prepare for us, les choses que tu veux, the things that you want, que nous sachions. That we know, pour mieux nous préparer, to well prepare, pour ce grand jour, for this great day. Seigneur, Lord, au moment où ta fille, as the moment your daughter, va commencer, will start, à témoigner des choses que tu lui as montrées, que ça ne soit pas elle qui parle, it should not be she, mais que ça soit ton esprit, let it be your spirit, qui parle par sa bouche, that talk through her mouth, pour que ton peuple, so that your people, soit édifié, will be edified. Seigneur, dans ce témoignage, Lord, by this testimony, que seul ton nom, let all your name, soit glorifié, be glorified, soit élevé, be lifted, soit magnifié, be manifest. Merci Seigneur. Thank you Lord. Tu utilises sa bouche. Use her mouth. Seigneur, tu oins sa bouche. Lord, anoint her mouth. Tu oins sa bouche. Anoint her mouth.
Tu oins sa bouche. Anoint her mouth. Tu oins sa bouche. Anoint her mouth. Tu oins sa bouche. Anoint her mouth. Et tu réveilles sa mémoire. And just wake her brain. Tu réveilles sa mémoire. Awake her brain. Pour donner les moindres détails. To give all the details. Des choses que tu lui as révélées. That you have revealed to her. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis la sœur Dorcas. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. I praise the Lord for all that you have done in my life. Durant ce moment de jeûne. During this moment of fasting. Tout a commencé dès le mercredi. All have started on Tuesday. C'était l'évangéliste qui priait pour nous. It was evangelist that was praying et on il me. A prié, il disait and pray and say, que le Seigneur va amener certaines personnes. The Lord will take some people. Dans le ciel pour les into heaven to show them de grandes choses. A great things. Et c'est là j'étais concentré. I was concentrated. Et j'ai vu lumière sur moi. I saw a light on me. Et j'ai vu deux anges qui I descendaient. Saw two angels descending. Arrivés auprès de moi. In my sight. Ils me disaient. They told me. Que le Seigneur a quelque chose à me montrer. The Lord want to show me something. Et c'est pour cette raison qu'ils sont là. It's that reason they came. They came. Et je disais que la volonté de Dieu soit faite. I said to them, let the will of God be done. Là, c'est comme si je ne sais plus ce qui se passait. I don't know what was going on. Et je me suis vu devant un portail. I saw myself before the gate. Et j'ai vu deux personnes. I saw two men. Ils étaient tous vêtus en blanc. They were in white. Mais ce qui m'a étonné, c'est que what surprised me is that et la maison c'était dans les nuages. The house was in the cloud. Et les deux personnes qui étaient devant le portail. The two on the gate. Ils n'étaient pas debout, mais ils étaient en l'air. They hung themselves on the sky. Ils avaient des ailes. They have wings. Qui leur permettaient de se tenir en l'air. And it allowed them to stand in the air. Et à ma grande surprise. In my surprise. J'ai vu une personne. I saw someone. Il était tellement lancé. He was tall. Et je n'arrivais même pas à voir son visage. I'm not able to see his face. Et la personne me disait qu'il est là pour me montrer certaines choses. The person told me he was there to show me some things. Et c'est là on a commencé par marcher ensemble. We started walking together. On marchait, on marchait. We were walking. Et j'ai vu un jardin. I saw a garden. Le jardin c'était joli, tellement joli. The garden was nice. Il y avait toutes espèces d'animaux. All kind of animals were in the garden. Et j'ai vu des hommes. I saw men. Ils étaient vêtus en blanc également. They put on white garments. Des femmes, des hommes et women des enfants. And men and children. Qui s'amusaient dans le jardin. They were praying in the garden. Avec les animaux. With the animals. Et j'ai vu quelqu'un s'était en train de s'amuser avec le lion. I saw someone playing with lion. Mais c'est comme si le lion ne lui faisait rien. It's like if lion was not harming the person. Et ça m'a étonné, j'ai dit ah. It surprised me, I said ah. Que ben, si c'est réellement le lion et la personne avec qui j'étais. If it is real lion, oui, the person told me. C'est ce que le Seigneur nous réserve. It's what the Lord reserved for us. Et j'ai dit d'accord. I said okay. On marchait. We were walking. Et on est entré dans une grande salle. We went to a great house. C'était comme une salle de fête. It's like a place of fête. Et j'ai vu des tables disposées. The tables were lined. C'était sous forme d'escalier. It's like a ladder. Et j'ai vu devant sur les tables. On the tables. Des fruits. The fruits. Et des personnes qui étaient devant les tables. And there were some people on the table. Et j'ai vu un trône. I saw a throne. Le trône c'était tellement long. It was very long. Et je n'arrivais pas à voir son sommet. I'm not supposed to see the end of it. Et je demandais au Seigneur. I asked the Lord. Que cela signifie quoi? What does it mean? Et il m'a dit. And he told me. Que c'est ce qu'il nous réserve.
is what he reserves. Ceux qui vont persévérer. They that will persevere. Malgré les difficultés. Even the suffering. Ceux qui vont rester dans Jésus revient. They that will stay in Jésus revient. Jusqu'à son retour. Till he will come back. Et que cela est réservé pour la nuit des noces avec le Seigneur. It is reserved for the day of encounter. Vraiment, c'était joli. It was nice. Je ne peux pas décrire. I can't describe it. Et c'est là, je me suis rappelé de quelque chose. I remember something. Et j'ai dit, mais Seigneur. I said, Lord. Le docteur Silas nous avait enseigné sur. Docteur Silas taught us. L'émergence de l'armée de l'Éternel. Emergence of the army of the Lord. Et je lui demandais si je pouvais visiter cette armée. I asked if I can visit that place, that army. Et il a dit. And he said. Si. Il m'a dit d'accord. He said okay. Et on marche également. We walk together. Quand on est arrivé. As we arrive. J'ai vu des hommes, des guerriers, men. Des soldats. I saw the armies. Ils étaient nombreux. They were many. Tellement nombreux. Very many. C'est comme si on ne peut pas compter le. It's like if we can't count them. Et ce qui m'a étonné, c'est que ils étaient disposés en fonction de leur âme. They were disposed by their guns. Et je dis, mais Seigneur. I said, Lord. Pourquoi il y a si d'ordre dans l'armée céleste? Why is it that there's a lot of order in the army celeste? Et le Seigneur me disait. The Lord said. Que c'est en fonction des prières que nous faisons. It's sur according la terre. To the prayers we are leading to Him. Que à chaque moment dans every nos moment combats, in our fight, l'âme que nous invoquons, what we are sending to Him, du genre si nous invoquons l'épée, as we ask the sword, c'est ceux qui avaient gardé l'épée, they that hold the sword, qui se mettront en mouvement, they will be in movement. J'ai vu des gens, des soldats, des guerriers. I saw the soldiers of army. D'autres ont gardé les marteaux. D'autres have a hammer. L'épée. The sword. Vraiment des armes de guerre. They have tools of the war. Et là, j'ai dit à Seigneur, on est dans un moment de prière. We are in the moment of prayer. I told the Lord. Et le thème c'était. The theme was. La chambre haute. The upper house. C'est que j'ai envie de. De visiter cette chambre. I want to visit that room. Et le Seigneur m'a conduit là-bas. Arrivé là, j'ai vu over there, une I saw maison. A house. Une maison en peinture blanche. Paint with a color. Et j'ai vu une petite chambre. A small room I saw. Sur la maison elle-même. In the house itself. On a monté les escaliers. As we climbed the steps. Arrivé là-bas. Over there. Je croyais que j'allais voir des personnes que je ne connaissais pas. I thought I would see some people that I'd never know. Mais à ma grande surprise. With my great surprise. C'était des gens de Jésus revient. They were the men of Jésus revient that I saw. Alléluia. Ils étaient tous vêtus en blanc. They were all in white. Et en ce moment, ils étaient dans la prière. They were in prayer that moment. Et j'ai entendu une voix qui disait. I heard a voice saying. D'aspirer au don tu parlais en langue. Just try to have mais a gift of speaking tongues. But I don't see the person. Et c'est là. C'est comme si je pouvais lire dans leur cœur. It's as if I would read in their heart. Il y avait des gens. There were some people. À qui le Seigneur a donné ce don. Lord gave this gift. Mais à cause de la peur. Because of the fear. Et à cause de la honte. Because of. Qui n'arrivait pas. Ashamedness. They are not able. Exprimer couramment le parler. To show it or to develop it. Et je voyais une lumière. I saw a light. Qui était sur la tête, c'était comme des couronnes. It's like a crown. Sur la tête de ceux qui étaient dans la chambre. Of they that were in the room. Et ils étaient en train de prier. And they were praying. Et
C'est la lumière qui était sur leur tête. The light on their head. C'est ça qui leur permettait. It allowed them d'exprimer les langues. D'exprimer les langues. Ma fille, il faut donner un peu le volume, d'accord? D'exprimer. Oh. Voilà. C'était la lumière qui était sur leur tête. The light on their head. Comme couronne qui leur permettait d'exprimer le parler en langue. Okay, the light on their head allowed them to show or to speak new tongues. En ce moment, je n'avais plus envie de revenir. That moment, I am not parce even accepting to come back. J'avais porté également la robe blanche. Because I wear white garments. Mais depuis ce temps jusqu'à présent, je n'arrivais pas à voir le visage de l'homme avec qui j'étais. Till that time till now, I'm not able to see the face of the person that I met. Et c'est là le Seigneur me disait. The Lord was telling me. Que nous. For us. Ce qui s'est passé au temps des apôtres. We need what happened in the time of the apostles. C'est-à-dire l'Église primitive. The holy churches. Que cela s'accomplisse dans that it should accomplish really in our time. Mais on a décidé de faire les 7 jours. We have to do the 7 days. Et me disait que il va nous faire expérimenter sa gloire. He wanted to experience this grace. Mais pas comme les apôtres en but leur not temps. As the time of the apostles. Parce que les apôtres. Because the time of the apostles. Parce que les apôtres avaient fait 10 jours. They did 10 days. Et il me disait. And he was telling me. Que nous, on ne peut pas expérimenter toute la gloire. Si we can experience all those grace. Sans faire les 10 jours. Without doing 10 days. Comme les apôtres. Like the apostles. Moi, je vais faire. Oh, I will do it. Oh, je vais faire les 10 jours. I will do the 10 days. Oh. Et il me dit. And he told me. Que il est temps pour que je parte. So that I come back. Que je n'ai pas encore fini la mission pour laquelle I did not finish the mission on the earth. Il m'a envoyé sur terre. The reason in which he sent me on the earth, I didn't finish. Et c'est là. It was there. Je me suis retrouvé en moi-même. I get back myself. Et quand on a fini, as we finish, ils avaient demandé à l'évangéliste. They asked the evangelist de prier pour la fin. To pray for the end. Et l'évangéliste disait evangelist was que le Seigneur lui a dit the Lord told him qu'on ne peut pas expérimenter we can't experience la gloire de la chambre haute the glory of the si on ne fait pas les 10 upper room if we don't do 10 days. Alléluia. Amen. Moi-même, j'étais au ciel. I was also in heaven. Mon âme était un témoin. My soul was a testimony. Mon âme était au ciel. My soul was in heaven. Alléluia. Amen. Quand nous disons le Seigneur m'a dit, as we are saying, the Lord told me. Certains ils pensent que c'est de l'invention. Some people thought we are deceiving. Le Seigneur parle. The Lord speaks. Et le Seigneur parle à chacun Lord de nous. Lord talks to each of us. Mais il a sa manière à parler he aussi his à ses manner to serviteurs. Talk to his servants. Alléluia. Amen. Ma fille. My daughter. C'est fini? Ok, vas-y. Et quand il a dit ça, ça m'a tellement as he said it, touché. It touched me. Et j'ai dit que c'est réellement avec le Seigneur que j'étais. I said it's really with the Lord I was. Le samedi. On hier, Saturday, yesterday. Quand on était ici. As we were here. Le docteur Silas avait prié pour moi. Dr. Silas prayed for me. Et il avait gardé ma main droite. He hold my hand, right hand. Qu'il a gardé cette main automatiquement. As he wrote it, hold it. C'est comme si mon esprit m'a quitté. It's as if my spirit went out for me. Et je me suis retrouvée devant à l'entrée d'une ville. I found myself in a place where God sent me. La ville c'était tellement jolie. The town was very nice, beautiful. Même la terre s'est carrée. But the land was. C'est en blanc. It's like white. Et j'ai vu des noms qui étaient écrits sur la maison. I saw the names
written on the houses. J'ai vu la maison des cinq serviteurs. I saw the house of the saint servant. Devant la ville. Before the ville. Je demandais à moi-même. I was asking myself. C'était quelle ville? Which city it was? Et le Seigneur me disait que c'est l'église Jésus revient. And God was telling me that it is Jésus revient. Merci Seigneur. Thank you Lord. Et il me disait de la même manière que je vois les maisons de Dieu. Mais de même manière, I saw the man of God. La maison des serviteurs est devant. The servant of God. C'est de la même manière. Ils sont toujours devant nous. They are always in front of us in the church. Et que c'est eux qui nous conduisent. They are the one leading us. C'est pour ça leur maison. That is why. Et il m'a fait entrer dans une maison. He makes me enter into a house. La maison. The house. Dehors c'est joli. Outside was nice. C'est joli à ce qu'on va croire que la maison est totalement. It was. Achevée. It was nice, and you think the house was clean like the room. Mais quand je suis entrée. As I entered. J'ai vu des déchets dans la maison. I saw the dustbins in the house. Des choses, des déchets. The dustbins. Et dedans c'est pas peinturé. They were not painted. C'était vraiment sale. It was dirty. Et je demandais au Seigneur que. I will ask the Lord. Cette chambre. This room. Que c'est réservé à qui? It's for who? Et là, il me disait he que. He told me. La personne n'a pas encore fini sa perfection. The person does not yet finish his perfection. Et que nous on se dit qu'on est dépouillé. We are saying we just remove things from the world. Et également physiquement on est dépouillé. Physically we remove them. Mais dans nos cœurs, but in our hearts, dans nos maisons, in our homes, qu'il y a encore des choses qui restent. And there are some things that remain. Des choses dont on doit se dépouiller. There are things that we have to backslide or take them away. Et c'est après ça. It's after that. Je me suis retrouvé moi-même. I just get back to myself. Acclame pour le Seigneur. Clap for the Lord. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Clap for the Lord Jesus Christ. Le roi des rois. The King of Kings. Le Seigneur des seigneurs. The Lord of Lords. Tu vas te lever. You'll be on your feet. Tu vas faire cette prière. You'll do this prayer. Tu vas dire Seigneur you merci. Say, Lord, thank you. Merci. Thank you. Pour la révélation. For the revelation. Merci pour thank le message. For the message. Que tu nous as transmis. That you have transferred to us. Par le canal. By the canal. De ta fille. Of your daughter. Seigneur. Lord. Merci. Thank you. Prie. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Seigneur, merci pour la révélation. Thank you, Lord, for the revelation. Merci pour les choses que tu as révélées. Thank you for things that you have revealed. Merci. Thank you. Seigneur, je te remercie. Lord, I say thank you. Seigneur, je te remercie. Lord, I thank you. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour les merveilleuses choses. Thank you for the marvelous things que tu nous as préparées. That you prepare for us. Merci. Thank you. Pour la grande table que tu as dressée pour nous. For the great table that you have prepared for us. Pour que nous venions. That we will come. Manger à ta table. Eat on your table. Pour que nous venions. So that we come. Manger avec toi. Eat with you. Seigneur, merci. Lord, thank you. Pour tout ce que tu nous as for préparé all that au you have ciel. Prepared for us in heaven. Seigneur, merci. Lord, thank you, Lord. Seigneur, les tables qui sont dressées. Lord, the tables that have been arranged. Seigneur, Lord, fais-moi la grâce. Make us grace. D'occuper ma place. Do us grace to occupy our place. Seigneur, fais-moi grâce. Do us grace. To occupy la place que tu m'as réservée. That you reserve for us. Seigneur, fais-moi la grâce. Lord, do us grace. D'occuper la place. To occupy the place que tu m'as réservée. That you leave for us. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Fais-moi la grâce. Do us grace. De pouvoir occuper. To occupy la place que tu m'as réservée. The place that belongs to us. Seigneur, fais-moi la grâce. Lord, do us grace. De manger. To eat. Ces bons repas, this good qui sont food préparés par tes anges, that's been prepared by your angels, que tu m'as réservé, that you reserve us for. Seigneur, Lord, fais-moi la grâce, do us grace,
de vivre dans ton jardin. To live in your garden. Le jardin the garden que tu as préparé pour that moi. You prepare for me. Seigneur, fais-moi la grâce. Lord, do me grace. D'habiter ce jardin pour to l'éternité. Dwell in this garden forever. Prie. Pray. Seigneur, dans la chambre haute. Lord, in the upper room. Je veux découvrir de nouvelles choses. I want to discover a great things. Je veux expérimenter de nouvelles choses. I want to experience many things. Fais-moi découvrir. Do make me de nouvelles choses. Discover new things. Seigneur, dans cette chambre haute. Lord, in this upper room. Équipe-moi encore. That fortify me again. Seigneur, tu as montré des maisons. Lord, you show the houses. Qui sont propres. That mais tu as montré nice. Certaines qui sont propres dehors. You show some which is dirty mais outside. À l'intérieur, but inside, elles sont sales. They were dirty. Parce qu'il y a des déchets. But there are dustbins. Des déchets de colère. Dustbins of anger. Des déchets de mensonge. Dustbins of des lies. Déchets de haine. Dustbins of hatred. Des déchets de non-pardon. Of non-forgiveness. Des déchets de pensées impures. Of unclean mind. Des déchets de désirs impurs. Dustbin of the bad desire. Des déchets de médisance. Of wickedness. Des déchets de querelle. Of quarrel. Des déchets dustbin de rancune. Of hatred. Seigneur, Lord, ces déchets. These dustbins. Qui sont dans ma chambre. Yeah, that were in the que room, tu m'as préparé. That you prepare for me. Seigneur, ce matin. Lord, this morning. Comme tu l'as révélé. As you reveal it. Je le reconnais, Seigneur. I recognize, Lord. Maintenant. Now. Que ton sang. Let your blood. Balaye ces déchets. Sweep them all. Seigneur, que ton sang. Lord, balaye let your blood. Ces déchets. Sweep those que ton sang. Let your blood. Balaye ces déchets. Sweep those bins. Seigneur, je ne veux pas habiter une maison sale au ciel. I don't want to stay in a dirty house in heaven. Je ne veux pas habiter une maison sale. Dwell in the dirty house in heaven. Seigneur, Lord, tu es saint. You are holy. Et tu fais de nous des saints. You make us holy. Donc notre maison doit être saint. Our house must be holy. Notre cœur doit être saint. Our heart must be holy. Comme notre corps. As our body. Seigneur, les déchets. Lord, the dustbin. Qui change encore. That is judging again. Mon corps, mon cœur. My body and my heart. Seigneur, Lord, nettoie-les. Clean them. 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 Seigneur, Lord, tu as dit, you said, que nous désirons des dons. We desire gifts. Des dons puissants. We desire powerful gifts. Et que tu vas nous accorder ces dons. And you give us those gifts. À la condition, in the condition, que nous fassions, that we do. Les 10 jours, the 10 days, comme les apôtres. As the apostles, Seigneur, Lord, nous sommes prêts. We are ready à faire les 10 jours. To do the 10 days. Nous sommes prêts. We are ready à continuer. To continue jusqu'au 10e jour. Till the 10 days. Seigneur, Lord, au terme des 10 jours, by the time of 10 même days, le plus petit, even the smallest person, dans ce réveil, in this revival, que ça soit ici, even here, que ça soit partout, all over, dans ton église, dans tes troupeaux, qui ships, sont connectés partout sur la terre, all over the world, Seigneur, Lord, du plus petit au plus grand, from the small to great, Seigneur, impact, Lord, impact, Seigneur, their visit them, et répand ton onction, release your anointing, qu'il y ait des prodiges, let that be a sign, qu'il y ait des miracles, let wonders and miracles, que les dons les plus puissants, let the powerful gifts, soient accordés à ton be peuple, given to your people, Seigneur Jésus, Lord Jesus, Seigneur Jésus, Lord Jesus, le parler en langue. New speaking ton peuple désire parler en langue. Mais il y a des choses qui les retiennent. Parce que them. Leur langue est encore remplie they are full de déchets. Of dustbin. Une langue souillée a dirty tongue ne peut pas parler cannot speak la langue des anges. The language of angels. Seigneur, Lord, nettoie les langues. Clean the tongue. Seigneur, purifie les bouches. Lord, purify the mouth. Les bouches qui sont sales. The mouths that are dirty. Les bouches qui sont sales. The dirty mouths. Les bouches de mensonges. The mouth of lies. Les bouches de médisance. The life of unforgiveness. Seigneur, nettoie ces bouches. Lord, clean those mouths. Seigneur, nettoie-les. Lord, clean them. Seigneur, nettoie-les. Lord, clean them. Seigneur, nettoie-les. Lord, clean them. Nettoie ces bouches. Clean those Seigneur bouches. Jésus, nettoie. Clean those mouths. Seigneur, nettoie. Clean them. Seigneur, nettoie ces bouches. Clean them. Clean them. Ces lèvres. Les lèvres souillées. The dirty mouth. Les lèvres qui sont souillées. Mouths are dirty. Les lèvres qui sont souillées. The mouths are dirty. Papa, tu saisis ces lèvres. You seize those tu les tongues. Nettoies.
Tu les nettoies. Clean them. 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 Seigneur, nettoie les lèvres. Lord, clean them. Nettoie les bouches. Clean the mouth. Nettoie les bouches. Clean the nettoie mouth. Les langues. Clean the, clean the tongues. Les langues qui sont remplies de sang. The tongues are full of blood. Remplies de mensonges. With lies. Rempli de querelles. Full of quarrel. Seigneur, nettoie ces lèvres. Clean those tongues. Nettoie-les. Clean them. Nettoie-les. Clean them. Nettoie-les. Clean them. Désormais. Clean them. Tu purifies ces langues. Purify them. Tu purifies ces bouches. Purify those mouths. Tu purifies ces bouches. Purify the mouths. Tu purifies ces bouches. Purify those mouths. Tu purifies ces bouches. Purify the mouths. Tu purifies ces bouches. Purify the mouths. Seigneur, nettoie la bouche Lord, de ton peuple. Clean the mouth of your people. Nettoie les lèvres de ton peuple. Clean the tongues of your people. Pour leur donner le pouvoir. Give them power. De parler. To talk. La langue du ciel. To speak the tongue. De parler en langue. To speak tongues, de communiquer avec to les communicate anges. With the angels. Seigneur, nettoie ses lèvres. Clean those tongues. Seigneur, nettoie ses lèvres. Lord, Seigneur, nettoie ses lèvres. Clean those tongues. Au nom de Jésus, nous in avons Jesus name we pray. Seigneur, nous voulons te dire Lord, merci we say thank you pour ces choses for puissantes que tu nous as révélées. Papa, continue de nous Father, conduire continue to lead us tout au long de ces 10 jours. Till this 10 days, et agis comme tu nous as promis. Manifest as you promised Seigneur, accomplis ta Lord, promesse. Accomplish your promises. Seigneur, Lord, au bout des 10 jours, in the 10 days, Seigneur, Father, que tous les paralysés let parmi nous soient levés et marchent. Que tous ceux qui sont malades, they that are sick, dans ton église, in your church, partout sur la terre, all over the world, qui se lèvent et marchent. Qui se lève et marche. Qui se lève et marche. Merci Seigneur. Thank you Lord. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen.